Bonjour à tous, c'est Zou165. Aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel Minitool Partition Recovery. Donc, ce logiciel, alors désolé pour le micro de merde, voilà, le micro est à chier, je conviens. J'essaye toujours d'améliorer la qualité, mais c'est pas terrible. Donc voici le logiciel une fois ouvert. Donc c'est marqué en anglais, bien sûr. Le logiciel est entièrement en anglais. C'est ça l'inconvénient. Sauf que, eh ben, il est totalement gratuit. Voilà, voilà. Donc c'est bien connu, hein, tout ce qui est gratuit en anglais. Ouais, c'est bien contenu, tout ce qui est gratuit en anglais. Donc là, c'est marqué que le logiciel Minitool Partition Recovery est fait pour restaurer les partitions perdues ou effacées de Windows. C'est de l'anglais, j'arrive à traduire mot par mot. Le logiciel supporte les systèmes de fichiers FAT12, FAT16, FAT32 et NTFS, File System, pour ceux qui veulent la fin. Voilà. Donc bah là, il n'y a pas grand chose, hein. Next. Ensuite là, vous sélectionnez simplement votre disque en question. Donc on va sélectionner la clé USB. Ça marche avec une carte SD, des disques durs en SATA, en eSATA, des clés USB, des CD, des trucs. Ça marche avec plein de choses. Next. Là, c'est votre type de scan. Donc, pour scanner votre clé USB, par exemple, dans notre cas, vous faites full disque, c'est mieux. Next. Et là, on va faire un scan rapide. Sachant que vous pouvez faire un scan complet, full scan. Et ça risque d'être très long. Voilà. Donc, prenez votre mal en patience. On va faire un quick scan. Next. Donc là, ça commence à scanner. Alors, on va le laisser faire, ça va pas être très long. Ça dure 2 heures. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, j'ai un petit truc à vous annoncer. Alors, je sais pas si j'aurai le temps, on va essayer. La semaine du 4 août, tous les après-midi, vous pouvez me retrouver sur le multijoueur de Euro Truck Simulator 2. Voilà, pour ceux que ça intéresse. À partir du 4 août, je vais essayer d'être aux alentours de Calais, Lille. Je vais essayer. Sinon, alors, je serai quelque part d'autre part en France. Vous m'aurez compris. Donc, attendez-moi à Calais ou à Lille si vous voulez faire un multiplayer avec moi. Voilà. Donc ici, revenons à notre logiciel. Vous aurez ici une liste de toutes les partitions perdues, inexistantes, tralala, tralala. Il suffira de la sélectionner dans le carré, comme ça. Et de faire finish. Et donc là, normalement, le logiciel continue sa course. Donc il vous remet vos partitions, etc., etc., récupère vos fichiers. Là, ça me met qu'il faut sélectionner une partition perdue pour continuer. Voilà. Mais chez vous, il faut sélectionner les partitions perdues en question et faire finish. Et là, le logiciel va continuer sa course jusqu'à ce que votre disque dur ou clé USB soit en état de fonctionnement. Voilà. Zéro fake. C'est tout en anglais. Dommage. Et non, mais c'est vraiment, c'est un très bon logiciel, sérieusement, mais il est en anglais, donc voilà, fuck aux développeurs. Non, mais on leur en veut pas, les gratuits, mais voilà. Enfin bref, donc voilà, c'était Zou165. Je vous ai montré le fonctionnement de Minitool Partition Recovery, et au moins vous voyez que le logiciel existe, que c'est pas un fake. Voilà, merci, à plus.